bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence. Je propose de déclarer la séance ouverte pour ce conseil du 27 juillet 2017. Je t'inviterai à te prononcer pour que Madame Stéphanie Soyer soit secrétaire de notre séance de ce jour. Et donc, celles et ceux qui sont favorables manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention. Je vais donc inviter Madame Stéphanie Soyer à l'appel nominal des membres présents. À vous, Madame Soyer. Alors, Fabien Tchémé. Marie-Thérèse Houret, absente, donne pouvoir à Fabien Tchémé. Alain Mamolo. Didier Caillé. Bernard Évrard. Virginie Melchi-Tétini. Rita Canas, absente, donne pouvoir à Isabelle Jalin. Laurence Morel. Jérôme Le Mans. Jules Caillard. Françoise Legros. Thérèse Zaoui, Francis Brouet, Gilda Massa, Sharaf Rifai, Jean-Philippe Vitran, Anna Zanelli, absente, donne pouvoir à Didier Caillé, Yves Floquet, absent, donne pouvoir à Christian Châtelain, Serge Lecadir, Christian Châtelain, Elisabeth Vanacker, Isabelle Jalin, Emmanuel Bouguera, absente, donne pouvoir à Virginie Melchi-Tétini. Stéphanie Soyer, présente. Christian Anquet, absent, donne pouvoir à Bernard Évrard. Carlo Di Marcantonio. Audrey Lyonne, absente, donne pouvoir à Thérèse Zaoui. Patrick Lemaire, absent, donne pouvoir à Platel Thuin Céline. Denis Degand, absent, donne pouvoir à Jean-Noël Verfaillie. Marie-Laurence Dupont-Joly. Céline Platel-Thuin, Assia Costanzo, Jean-Noël Verfaillie. Monsieur le maire, c'est fini. Vous voyez de cet appel et deuxième acte de notre assemblée délibérante, c'est l'adoption du procès-verbal du conseil municipal du 30 juin écoulé. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté. Et nous passons ensuite au propos liminaire, qui est de tradition. Je voudrais d'abord, en préambule de ce conseil et de ce dernier conseil municipal avant les vacances, revenir sur les temps forts qui ont marqué le début de cet été 2017. Un été riche en événements, à l'image notamment de l'ensemble de l'année à Marly. J'évoquerai seulement les quelques 7000 personnes qui se sont massées place Gabriel-Péri au soir du 13 juillet, venues ainsi admirer la prestation de Zouk Machine, de Boney M. Story ou encore Willy William avec ce beau feu d'artifice particulièrement apprécié. Enfin, ça a été le Grand Prix cycliste de la municipalité qui s'est couru le lendemain, et dans le prolongement du défilé du 14 juillet, qui a réuni plus de 240 participants, à l'initiative de l'Union sportive Valenciennes-Marly, avec le concours de la ville, ou bien encore le tournoi du maire de la boule d'acier, qui s'est tenu le week-end dernier dans une ambiance chaleureuse, à défaut d'avoir bénéficié d'une météo clémente. Alors nous sommes en pleine période des centres de loisirs, dans le même temps, hein, et autres activités destinées à occuper nos enfants, nos adolescents de Marly. À ce titre, les chiffres de cet été 2017 sont éloquents, puisque près de 700 enfants et adolescents âgés de 2 à 17 ans sont ou seront accueillis dans les différentes structures de la ville, accueil de loisirs sans hébergement, séjour aux grands jets, l'app ou encore le club ado, sans oublier les multiples sorties, avec des activités, comme vous le savez, de qualité.
y compris une semaine au camping pour les jeunes du club ado la semaine dernière, avec des activités associées telles que le vélo, une chasse au trésor, une balade nocturne, des jeux de société, des activités manuelles, sport, découvertes ou encore pédagogiques, etc. Avec aussi les activités sportives, éducatives et de loisirs du lap de la briquette, avec le karting, avec la base de loisirs de REM, le ski nautique, le bowling, le paintball, le jump XL, pour ne citer que quelques de ces activités. Et pour le lab des pluralis, un séjour à Paris les 10 et 11 juillet, avec découverte de la capitale, visite du musée Grévin et du zoo de Vincennes, des après-midi sportives, etc. Sans oublier le séjour à Marseille prévu pour le mois d'août. Enfin, ce sont les centres de loisirs dédiés, notamment aux 2-11 ans, qui n'ont pas été en reste avec des activités manuelles, thématiques et de grands jeux. L'organisation du barbecue des familles et de la fête de fin de sang, des sorties à la mer, au cinéma, des moments d'échange avec les parents, etc. Des échanges enfin avec les familles qui sont la pierre angulaire de la réflexion sur la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire dont nous parlerons dans un prochain temps dans le cadre de deux délibérations d'importance. En effet, suite au décret paru le 28 juin dernier, les communes ont désormais la possibilité de moduler l'organisation des rythmes scolaires et de revenir à la semaine de 4 jours en primaire et en maternelle. Alors c'est le choix qui a été fait par notre ville de Marly, d'après le souhait exprimé d'ailleurs en conseil d'école, et par ailleurs par près de 85% des familles qui ont été sondées pour en juin et qui se sont prononcées favorablement pour le retour aux 4 jours. Et bien entendu, nous en reparlerons par la suite. Enfin, avant de passer à l'heure du jour, j'attire votre attention sur les prochains grands rendez-vous de l'été. Notre grande braderie brocante de ce dimanche 30 juillet, qui réunira près de 700 exposants, avenue Barbus et dans les rues adjacentes. La traditionnelle du casque que nous inaugurerons demain, vendredi. Et enfin, les folies de Bimbin, organisées par Valenciennes, Valenlies, le dimanche 27 juillet, et dont un groupe déambulera vers 11h dans le nouveau quartier de la Ronelle, dans les rues de la résidence des chanteurs récemment inaugurés. J'en ai terminé les propos liminaires et immédiatement je propose de donner la parole à notre collègue Didier Caillé pour notamment une décision modificative numéro 1. À vous, monsieur Caillé. Merci, monsieur le maire. Cette décision modificative concerne des recettes supplémentaires. En effet, lors de l'élaboration de notre budget en début d'année, nous avions évalué les recettes au niveau de la DSU, DGF, DNP et contributions indirectes. Or, il s'avère qu'après versement des différentes sommes, nous avons des recettes supplémentaires pour un montant de 83 492 euros. Il convient donc maintenant de les répartir sur les différents chapitres qui risquent de poser problème avant la fin de l'année, et vous avez donc le détail sur les différents tableaux qui sont en votre possession. Donc il est demandé au conseil municipal d'adopter cette décision modificative numéro 1. Merci monsieur Caillé, y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Oui, monsieur Verfaillis, je vous en prie. Merci monsieur le maire. Tout d'abord une première remarque qui est la suite de celle que j'avais pu faire lors du précédent conseil municipal concernant le procès-verbal et ensuite le compte-rendu du conseil municipal qui est transmis aux habitants. J'ai pas eu le temps d'intervenir quand on a voté le procès-verbal, mais c'était nous aviez dit que comme on avait une tribune dans pleine page, ça s'arrêtait là. J'ai retrouvé l'article du Code général des collectivités territoriales pour faciliter, on va dire, les démarches de Monsieur Bavé, et que ce soit simple pour lui de vérifier. Donc c'est l'article L2121-27-1 du CGCT qui dispose que dans les communes de plus de 3500 habitants, lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,
Un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Et c'est un article qui a été complété par une jurisprudence constante depuis un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles d'avril 2009, qui dispose que toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit sa forme, comme la diffusion d'un bulletin d'information générale. Je pense que là, maintenant, vous avez les informations juridiques suffisantes pour accéder à notre requête, et j'espère que ce pourra être fait dès le compte-rendu de ce conseil municipal. Pour en revenir à la décision modificative numéro 1, tout d'abord, on ne peut que se féliciter d'avoir une augmentation de recettes pour la commune. Néanmoins, l'utilisation va rentrer dans le cadre du budget global de la ville sur lequel on ne s'est pas prononcé favorablement, et donc on continuera sur cette ligne pour cette décision modificative. Bien, par rapport à cette question, bon, il est clair, j'ai eu l'occasion de m'exprimer et faire part un peu de notre sentiment sur cette question de la parole aux différents groupes. D'abord, je dois rappeler, c'est qu'on est allé au-delà en ce qui nous concerne, notamment du point de vue de la pagination et de l'importance accordée aux différents groupes, tout simplement parce que je prends de connaissance, que ce soit dans différentes grandes villes, je ne vais pas les citer, de notre région, c'est au prorata du nombre d'élus, voyez-vous. Par exemple, l'opposition a 6 élus, dans la mesure où il y a un 2/3 de page, eh bien, ça correspond, du point de vue de la pagination, eh bien, à 6 élus sur la base de 30. Or, nous, on va déjà au-delà. On accorde à tous les groupes, au-delà de l'influence et de la représentation au sein de notre instance, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'équité, puisque dans ce qui vous concerne, on vous accorde la place qui équivaut notamment y compris la majorité avec deux temps. La deuxième des choses, le compte-rendu du bureau municipal est en premier lieu pleine page, vous donne tout loisir de vous exprimer. J'ai déjà eu l'occasion de le dire aussi, je regrette qu'à deux reprises, je me trompe, nous n'avons pas été en possession de vos billets. Donc, c'est resté une partie blanche pour lequel on est obligé de préciser, le texte n'est pas parvenu. C'est dommage, je pense qu'on vous donne la possibilité de vous exprimer, à vous aussi déjà d'exploiter ce texte. La troisième des choses, c'est que après le conseil municipal, c'est un compte-rendu. Ce n'est pas un bulletin. C'est un compte-rendu de conseil qui liste les décisions. Et donc là, rien n'oblige à donner dans la mesure où vous avez tout loisir à travers pleine page, notamment de vous exprimer. Voilà. Sur ce, je rappelle un peu ce que j'ai eu l'occasion de dire même au sein de cette enceinte. Alors, mettez déjà à profit tout ce qui est à disposition vous concernant. Je pense que ce sera une bonne chose dans le cadre notamment de l'échange, de la démocratie et puis de la communication. J'en ai terminé sur ce point et je propose immédiatement que l'on passe au vote du point de vue de cette décision modificative numéro 1. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en droit d'un, avis contraire. Alors, 6 voix contre, il n'y a pas d'abstention. Et nous passons ensuite avec M. Alain Mamoulot, qui va nous présenter l'arrivée au sein du syndicat d'assainissement du Valenciennois des communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut, Vieux-Condé, suite à leur retrait simultané du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Condé, communément appelé le SIAC. À vous, monsieur Mamoulot. Merci, monsieur le maire. Vu le souhait émis par les communes du SIAC d'adhérer au SIAV et le courrier en date du 30 septembre 2016 par lequel le président du SIAV informe le président du SIAC que rien ne s'oppose à cette adhésion, vu les délibérations des conseils municipaux de Fresnes-sur-Escaut, Vieux-Condé et Condé-sur-Escaut, Vu la délibération du comité syndical du SIAV du 31 mai 2017, considérant que, conformément aux dispositions de 2 de l'article 66 de la loi numéro 2015-91 du 7 août 2015,
Pourtant, nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences eau pluviale, assainissement collectif, assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines sont obligatoirement transférées au 1er janvier 2020 à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. Pour son membre, les communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé. Considérant que conformément aux dispositions 2 et 4 de l'article L552-16-7 du Code général des collectivités territoriales, le transfert obligatoire des compétences assainissement collectif, assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole en 1er janvier 2020 entraînera de plein droit le retrait des communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut, Vieux-Condé du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Condé pour ses compétences. Considérant que le SIARC et le SIAV sont deux syndicats compétents en matière d'assainissement et qu'ils doivent répondre au même enjeu pour le service public d'assainissement, considérant que l'adhésion du SIARC au SIAV est de l'intérêt du territoire et de ses usagers, que les études révèlent que la reprise du patrimoine et les dettes du SIARC sont assimilables par le SIAV sans dégrader de façon significative les capacités financières de la structure SIAV portant sur le nouveau périmètre d'intervention. Considérant que le contenu de l'importance du périmètre de l'intervention du SIAV sur l'arrondissement de Valenciennes et notamment sur la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, le mode de gestion des services qui lui seront transférés, les capacités financières et les moyens techniques et administratifs dont il dispose, les communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé estiment qu'il est de leur intérêt, simultanément, à leur retrait du SIARC, d'adhérer au SIAV en lui transférant les compétences d'assainissement collectif, assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines. Considérant que le retrait des communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé du SIARC doit s'effectuer dans les conditions visées sous l'article L5211-19 du Code général des collectivités territoriales et notamment de celle de l'article L5211-25-1 du même Code, considérant que les communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé reconnaissent l'utilité de la règle selon laquelle le transfert de compétences visées au SIAV entraîne le transfert des contrats attachés à chacune de ces compétences, ainsi transférées, conformément au dispositif des alinéas 1 à 4, 2 de l'article L552-11-18 du Code général des collectivités territoriales, et qu'il incombe aux communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut, Vieux-Condé de notifier dans ce cadre le dit transfert contractuel à leur actuel contractant. Il est proposé au Conseil municipal d'acter pour les communes de Fresnes-sur-Escaut, Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé leur retrait du syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Condé pour l'ensemble de ses compétences avec date d'effet au 1er janvier 2018. Assainissement collectif, assainissement non collectif, gestion des eaux pluviales urbaines, d'accepter leur adhésion simultanée au SIAV, sachant que leur conseil municipal respectif a décidé d'approuver les statuts du syndicat. Juste pour information, les autres communes du SIAV ont toutes voté pour l'adhésion du SIARC au SIAV. Voilà. Intervention. Celles et ceux qui sont pour le manifestant en levant la main. Avis contraire, abstention, merci de cette unanimité. Et nous passons ensuite avec une convention d'adhésion au service de prévention, pôle santé et sécurité au travail. Alors, considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé de leurs agents en ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, considérant enfin que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive et que cette obligation peut être satisfaite par l'adhésion à un service créé par un centre de gestion, considérant que pour accompagner les employeurs publics dans leurs obligations en matière de santé et de sécurité, le centre de gestion du Nord a créé un pôle santé et sécurité au travail s'appuyant sur la complémentarité des compétences dont il dispose en interne et la réalité territoriale.
ainsi une équipe de professionnels est dédiée à l'évaluation, au diagnostic et au conseil des employeurs dans la mise en œuvre de leur politique de prévention. Alors on vous propose donc d'adhérer au service de prévention Pôle Santé Sécurité Travail du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. C'est pour l'option 1, qui sont des missions liées à la médecine préventive, avec une cotisation additionnelle qui est de 52 euros par agent pour une prestation de base. Et je vous invite donc à m'autoriser à signer cette convention d'adhésion ainsi que tout document si rapportant et d'inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité. On est terminé pour cette délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Céline Platel-Huin. Merci, Monsieur le maire. Je voulais savoir, comme il existe plusieurs services de médecine préventive, si vous aviez fait une mise en concurrence de ces différents services. Années qu'on collabore notamment et qu'on a adhéré au centre de gestion, hein, notamment en ce qui concerne dans le cadre de ces politiques de prévention, je pense aux psychologues, je pense aux ergonomes, et donc on est en étroite liaison avec le centre de gestion, notamment du département du Nord. Voilà ce que je peux vous apporter comme élément, Madame Céline Platel-Huin. On n'est pas tenu, notamment, à faire appel. On est en étroite relation avec le centre de gestion, avec qui on entretient de bons rapports, notamment dans ce domaine, hein, comme dans d'autres. Et donc, on se propose de poursuivre avec, bien entendu, ce même centre de gestion. Voilà. Alors, je propose de passer aux voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Vous vous abstenez, donc l'opposition s'abstient. Et nous passons ensuite avec une délibération que rapporte notamment à un avis sur la demande de remise gracieuse présentée par le comptable de la commune, c'est-à-dire eh bien, le percepteur. Alors, considérant que la Chambre régionale des comptes Hauts-de-France, par jugement numéro 2016-032 du 13 juillet 2016 a engagé la responsabilité personnelle et pécuniaire de monsieur le receveur, comptable public de la commune de Marly, au titre des opérations relatives aux exercices 2011 à 2013, considérant également que le comptable public souhaite présenter une demande de remise gracieuse de cette responsabilité financière auprès de son ministre de tutelle, considérant la demande formulée par la Direction générale des finances publiques, le Conseil municipal doit se prononcer sur l'éventuelle prise en charge sur son budget des sommes qu'il déciderait, le cas échéant d'allouer et remise gracieuse en application des articles L2121-29 du Code général des collectivités territoriales et 11-1 du décret 2008-228 du 5 mars 2008. Considérant que cette demande nécessite l'avis du Conseil municipal, nous proposons d'émettre notamment un avis favorable à la demande de remise gracieuse de notre percepteur, notamment pour les charges dont vous pouvez prendre connaissance à travers cette délibération. On est terminé pour cette présentation. Y a-t-il des demandes d'intervention sur celle-ci? Oui, monsieur Vertreille. Simplement, j'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi on émettrait un avis favorable sur cette demande alors que le comptable est censé apporter ses conseils précieux et vérifier la validité de chaque démarche financière et budgétaire de la commune, qu'on lui verse en plus une indemnité complémentaire pour la qualité de ses conseils et de ses travaux tout au long de l'année. Et là, il s'est trompé, il est responsable sur ses deniers personnels. Je ne vois pas pourquoi on irait prendre en charge cette erreur. Ça ne me paraît pas tout à fait normal, sachant que c'est son boulot, il a mal fait, il y a un risque financier.
policier qui te supporte de par sa fonction. C'est comme ça que ça passe. Oui, donc je voudrais vous, enfin, répondre à l'intervention de M. Verfaillie. Cette erreur, bon, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Le percepteur aurait dû s'en apercevoir. C'est simplement sur un agent où le changement d'intitulé d'une prime n'a pas effacé l'ancien intitulé. C'est-à-dire que cet agent s'est retrouvé avec une prime versée deux fois. Je peux vous dire, pour avoir regardé avec le service comptabilité, que c'était vraiment indécelable. Alors, c'est vrai que le percepteur a un travail de contrôle, mais c'est quand même, en même temps, par la Chambre régionale des comptes, la seule erreur qui a été trouvée, puisque ce n'était pas la ville qui était contrôlée, mais c'était la perception sur la ville de Marly, et c'est la seule erreur, si vous voulez, qui a été trouvée par la Chambre régionale des comptes. De plus, on entretient avec le percepteur depuis 2008 de très bonnes relations. Pour le rencontrer régulièrement, je peux vous dire que c'est un homme avec qui on peut avoir confiance, on peut discuter. Il a toujours été de très bons conseils. Et je pense qu'on peut maintenant peut-être aussi lui renvoyer l'ascenseur. Parce que la faute, une fois qu'elle est décelée, on peut la critiquer, mais la déceler avant, je peux vous dire que c'était impossible pour nous comme pour la perception. Mais la Chambre régionale des comptes l'a décelé. Oui, la Chambre régionale des comptes l'a décelé parce qu'elle est tombée dessus, je peux vous dire, vraiment accidentellement. Parce que sur le nombre d'agents, ça n'est arrivé que sur un seul agent. Je peux vous dire qu'il faut éplucher donc les fiches de paye de tous les agents sur trois, de 2011 à 2013. Un agent a passé à travers et je sais bien, c'est malheureux pour nous, c'est malheureux pour le percepteur. Mais je pense que dans tous les cas, il faut savoir jouer le jeu aussi. Il faut savoir, comme je vous dis tout à l'heure, renvoyer l'ascenseur à de très bons conseils. Parce que je peux vous dire, et je l'ai déjà dit de toute façon, c'est vrai que ça coûte en gros 6 000 euros à la commune. 6 000 euros sur un budget de 23 millions, c'est quand même pas non plus dramatique. Je m'entends en disant ça, mais je peux vous dire qu'il nous en a fait gagner beaucoup plus depuis 2008. Comment ? Non, s'ils avaient vu celle-là, ils en auraient vu d'autres. Hein. Là, vous cherchez la petite bête quand même, hein, parce que la Chambre régionale des comptes, je pense que ce sont quand même des gens sérieux et compétents. Moi, je voudrais saluer Je voudrais saluer, pour éviter de polémiquer, notamment dans le cadre d'une responsabilité qui incombe aux percepteurs, saluer les bons rapports, notamment, comme l'a rappelé Didier Caillé, qui unissent nos relations depuis 2008 avec le percepteur, qui vient d'être d'ailleurs promu dans le cadre d'un déroulé de carrière, il est en place pour les prochaines années de faire valoir ses droits à la retraite. Il est maintenant à la direction des finances de Valenciennes et des environs. L'autre aspect, c'est que, bon, moi, je reviendrai pas sur les explications qui ont été apportées. Partant de là, je pense qu'il faut qu'on ait une sage décision et qu'on puisse faire valoir à un moment donné la demande du percepteur et la prendre en compte. Voilà. Sur ce, je vous invite à délibérer sur celle-ci. Et donc, ça a été rappelé, hein, pour cette somme de 6 697,80 €. Elle et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. L'opposition vote contre. Abstention. Nous sommes d'accord. Et nous passons ensuite à la délibération suivante, qui va être présentée par Bernard Évrard, concernant l'autorisation de signer les marchés travaux de construction et de réparation de voiries et trottoirs, aménagement urbain sur les territoires de la commune. À vous, monsieur Évrard. Oui, merci, monsieur le maire. La ville s'est engagée dans le projet de construction et réparation des voiries et trottoirs et d'aménagements urbains divers sur le territoire de la commune. Le marché est composé d'un lot unique. Il s'agit d'un marché à bon de commande comprenant deux périodes. Une première période allant à la date de notification du 31 décembre 2017, puis une seconde période d'un an à compter du 1er janvier 2018, renouvelable une fois, soit jusqu'au 31 décembre 2019. Au vu du montant maximum estimé pour ces travaux, un marché à procédure adaptée a été lancé conformément à l'article 27 du décret
numéro 2016-360 du 25 mars 2007 relatif au marché public. La commission d'appel d'offres, réunie le 7 juillet 2017, a jugé économiquement la plus avantageuse l'offre de la société Sorio située à Asp 59198 dans les conditions suivantes. Première période, montant minimum 30 000 euros hors taxe. Montant maximum 130 000 euros hors taxe. Deuxième période, montant minimum 70 000 euros hors taxe. Montant maximum annuel 130 000 euros hors taxe. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou M. Caillé, adjoint aux finances, en cas d'empêchement de M. le maire, à signer le marché précité. Les marchés complémentaires en cas de circonstances imprévues et tout document à venir avec l'entreprise attribuaire du marché repris ci-dessus et d'imputer les dépenses au compte correspondant à la limite du budget voté. Voilà, M. le maire. Merci, M. Evrard. Y a-t-il des demandes d'intervention sur notamment cette délibération ? Oui, M. Versailles, je vous en prie. Pas vraiment par rapport à l'attribution à la société Sorio de ce marché à bande commande, mais simplement sur la question des travaux qui se font dans notre ville. J'ai eu l'occasion m'en émouvoir un peu dans la dernière tribune, justement, que j'ai publiée dans Pleine Page, parce que j'ai fait le tour des quelques chantiers qui sont en cours sur la ville et j'ai remarqué qu'ils étaient quand même parfois assez négligés et parfois même dangereux, en fait. Je me souviens d'un vendredi soir où j'ai fait le tour sur le rond-point de la rue Roger Salengro. Il y avait encore des tiges métalliques qui sortaient. Il n'y avait pas de signalisation autour des tas de gravats et autres en plein milieu d'une rue extrêmement passante. Je trouve qu'il faut faire attention au suivi des travaux des entreprises qui opèrent sur notre ville parce que ça peut être quelquefois dangereux pour les habitants. Oui, M. Versailly, il faut savoir que ce que vous dites, c'est vrai, mais il faut savoir que le maître d'ouvrage à ce moment-là était le CIAV, non pas la ville. Quand ça s'est passé, ces problèmes, c'était au moment où il refaisait l'assainissement. Depuis que la ville a... Maintenant, vu qu'on on commence à attaquer les travaux de la voirie, c'est suivi par nos services tout le fin de semaine et il y a une réunion de santé tous les mardis à 14h, tous les soirs. Voilà. Alors, je vous propose... Oui, monsieur... J'ai bien écouté votre intervention, monsieur Verfeuilly, concernant... Mais les choses, elles devraient être... même s'il y avait des problèmes, disons, de sécurité sur ce chantier... Qui que ce soit qui est responsable, hein, on ne doit pas déjà citer l'organisme, surtout lorsque c'est un organisme qui a apporté une grande contribution pour ses travaux. Non mais oui, d'accord. Non mais je le dis, je tiens à le dire. Hein. Donc les travaux sont effectués sur la ville de Marly. Et dans les route et les de Marly, donc quelque part la ville de Marly est responsable, même si elle n'est pas maître d'ouvrage. Je tenais à le dire. Je verse une information aussi au dossier. On a pu se rendre compte, comme vous, M. Verfailly, c'est que cette route était barrée à la circulation du monument aux morts jusque l'avenue Barre. Et j'en ai confirmation par notre adjointe, qui notamment rayonne dans ce secteur tout particulier. Bien, sur ce, je pense qu'on peut se féliciter de tous ces travaux qui sont en cours. Rue Salengro, rue des Tulipes, rue des Lys, rue des Violettes, où on va apporter un plus qui était attendu et qui par ailleurs était dans le programme de la majorité municipale. Rue Victor Hugo et la rue Voltaire. Bien. Nous sommes en pleine métamorphose, y compris dans le domaine des infrastructures routières de l'assainissement. Je veux d'ailleurs remercier le CIAV pour l'apport précieux qui est le sien
dans le cadre notamment de cette politique d'assainissement. Et remercier nos deux délégués, M. Mamolo et M. Francis Brouet, qui est en charge de la question des petits travaux à la ville et qui est délégué au CIAF, deux. Et bien, comme on dit, joue un rôle qui est efficace, déterminé et qui a des retombées, on peut que s'en féliciter. Sur ce, je propose que l'on passe au vote. Quels sont ceux qui sont pour le manifeste en levant la main ? Avis contraire, abstention à l'unanimité. Je passe ensuite en ce qui me concerne avec la présentation eh bien, d'une délibération qui se rapporte au FSIC, hein, et notamment qui rentre dans le cadre du fonds de soutien aux investissements communaux pour le projet de construction d'un nouveau restaurant scolaire à l'école Marie Curie. Pour mémoire, c'est par délibération du Conseil communautaire du 10 avril 2015 que Valenciennes Métropole a renouvelé son fonds de soutien aux investissements communaux, le FSIC, destiné à toutes les communes de l'agglomération. L'enveloppe disponible sur la période de 2015-2020 pour la ville de Marly est de 772 979 euros. Compte tenu des demandes déjà effectuées pour différents projets, il reste à disposition de notre collectivité 496 777,82 euros. Alors les bénéficiaires peuvent solliciter le fonds dès lors qu'il s'agit de projets de construction ou de rénovation d'équipements publics respectant les normes d'accessibilité et améliorant les performances énergétiques ou des projets d'aménagement urbain ou du cadre de vie. Alors, le taux d'intervention du FSIC est au maximum de 50% du reste à charge communal, une fois le FCTVA déduit et les subventions déduites sur des projets d'un montant minimum de 50 000 euros hors taxe. La ville porte donc actuellement le projet de construction de restaurant scolaire à l'école Marie Curie, destiné à accueillir en restauration les élèves du groupe Marie Curie. Le budget prévisionnel pour ce projet est de PTC 1 343 328 euros, toutes les dépenses subventionnables. La ville peut solliciter Valenciennes Métropole dans le cadre du FSIC à hauteur maximale de 461 484 euros et 24 centimes, montant qui sera revu à la baisse si d'autres cofinancements sont obtenus par notre ville. Alors, vous avez en feuille jointe un plan de financement. Il est proposé au Conseil eh bien, que vous puissiez autoriser Monsieur le maire à solliciter le FSIC à hauteur maximale pour ce projet. Dans le même temps, à transmettre tous les documents permettant de solliciter ce fonds. Plan de financement du projet, plan de situation, note d'opportunité. Sans oublier la nécessité, en ce qui me concerne, de signer tous les documents s'y rapportant. J'en ai terminé avec ce projet d'importance. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, monsieur Verfaillé. Oui, merci, monsieur le maire. Pas de problème pour nous à solliciter le FSIC sur ce dossier. Par contre, je voulais savoir, est-ce que vous aviez étudié la proposition qu'on avait faite de raser le bâtiment délabré à Marie Curie pour construire le restaurant scolaire à cet endroit-là ? Il est clair que ça coule de source, c'est une question de bon sens. C'est que si on rase le bâtiment, où vont aller manger demain nos enfants ? Parce que... Je termine. Où vont aller manger nos enfants ? Dans la mesure où là, on part dans un timing qui va prolonger et qui va allonger la durée de travaux et où on n'a aucune solution pour faire en sorte eh bien, d'apporter le déjeuner à nos enfants. Alors, en ce sens, c'est pourquoi il a été proposé d'envisager ce projet de restaurant scolaire juste un peu au-dessus, sur la butte. Et que deuxièmement, on verrait par la suite, après avoir réalisé ce projet, après qu'il soit fonctionnel, on examinera vers quoi on s'orientera pour notamment raser ce bâtiment. Je pense que c'est une question de bon sens, là aussi d'intelligence, hein, en matière d'urbanisme et de travaux pour faire en sorte de réaliser ce projet qui est là aussi tant attendu au sein de notre collectivité et dans ce bassin de Marly, les Loralie. Peut-être, monsieur Évrard, avez-vous des éléments complémentaires d'informations ?
en sachant que on a quand même fait plusieurs réunions, il y a eu des travaux de fait avec, et monsieur le maire était présent avec nous, et monsieur le maire a été d'accord à 100% avec les décisions, il a approuvé ce que, il a apporté sa pierre à l'édifice et il a approuvé ce que l'on avait mis sur. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il y a quand même des possibilités, en fait, parce que soit on peut utiliser la salle de sport qui est juste à côté pour déjeuner le midi, et sinon, il y a toujours la possibilité de mettre des préfabriqués sur la place le temps des travaux, qui sont relativement brefs, sachant que c'est quand même un endroit majeur de la rue, et ça permettrait quand même de traiter ces bâtiments complètement désaffectés, même, en plus. La salle de sport, elle est faite, elle est conçue pour faire du sport, et non pour en faire de la restauration. Parce que si on commence à déroger à des règles de fonctionnement, à des principes, ça va être, comme on dit, l'auberge espagnole et la porte ouverte à tout. Il y a des règles, je pense, auxquelles on ne peut échapper. Là aussi, je pense que c'est une question de principe. Moi, en tant que maire, je me félicite moi, de ce projet. C'est un projet d'importance dans le cadre de cette mandature. Près €1 400 000, notamment, en ce qui nous concerne en matière d'investissement, toutes taxes comprises. Un beau projet dans ce secteur où il y a près de 900 foyers. Hein, et puis où, parce qu'on ne l'évoque plus, a été évoqué à maintes reprises les questions qui touchent à la sécurité de nos enfants, avec le bâtiment qui est vétuste et qui nécessite notamment eh bien, de nouveaux projets. Non pas de réhabilitation, mais un projet neuf. Je rappelle, €1 400 000, subvention du département, et puis en ce sens, je pense qu'on ne peut que se féliciter de l'avancée, notamment de ce dossier. En même temps, je tiens à rappeler que ce timing et ce projet a été validé à l'unanimité, notamment par les membres du COPIL, hein, ce comité de pilotage, à l'unanimité, je rappelle, et que deuxièmement, la commission de travaux a eu aussi l'occasion d'échanger, de confronter divers points de vue, et en même temps, je me dois de rappeler que votre représentant a voté favorablement, notamment au sein de la commission Travaux Urbanistes. Je dis ça pour aussi que les choses soient claires et transparentes jusqu'au bout. Voilà, sur ce, je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Abstention, avis contraire, je vous remercie de cette unanimité. En même temps, j'ai une bonne nouvelle à ce sujet, c'est pour dire à notre assemblée délibérante, c'est que j'ai reçu en ce jour de la sous-préfecture de Valenciennes eh bien une notification qui rentre dans le cadre là d'une dotation de soutien à l'investissement public local, c'est-à-dire qu'on porte à la connaissance de la ville de Marly. Eh bien, c'est qu'après achèvement de la procédure comptable, une copie de l'arrêté préfectoral allouant une subvention au titre de la dotation de solidarité et l'investissement public local de 200 000 €, eh bien dit 200 000 €, hein, eh bien nous est attribuée pour la construction d'un restaurant scolaire à l'école Marie Curie. Là aussi, je pense qu'on peut remercier l'État pour une contribution qui était importante, qui a rappelé y compris que le secrétaire général de la sous-préfecture, s'est rendu sur place à l'époque et où on a une visite de terrain pour créer les conditions de l'obtention de cette même subvention. Merci au service de l'État hein, et à l'État, notamment dans le cadre eh bien, de cette contribution appréciable. Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, c'est fait, je m'excuse. Monsieur le maire, prends la bouteille. Alors, merci de cette unanimité. Et nous passons ensuite alors, à deux délibérations d'importance dans le cadre de ce conseil municipal qui se rapporte. Tout d'abord, la première, elle nous sera présentée par la suite, mais je vais dire quelques mots. Il s'agit du règlement intérieur des accueils périscolaires. Ça nous sera présenté par notre adjoint à l'enseignement, Jules Caillard, et ensuite par Alain Mamoulot. Ça se rapporte au projet d'accueil et de loisirs des mercredis. Alors, pour mémoire, depuis 2008, je me dois de rappeler que notre municipalité a mis un point d'honneur
à accompagner au plus près de leurs besoins les familles de Marly en proposant une offre de service allant de la petite enfance à la jeunesse. Et au fil des années, de nouvelles structures se sont ainsi développées pour répondre aux attentes de la population dans le cadre d'une évolution normale de la société. Les efforts consentis en direction de la jeunesse sont ainsi représentatifs des nouveaux besoins qui se font jour. Les bourses initiatives jeunes ont été créées pour valoriser les projets en autonomie de nos jeunes. Les LAP, c'est-à-dire les lieux d'accueil de proximité de loisirs, pour répondre à une demande d'animation dans les quartiers des Floralies et de la Briquette. L'an dernier, ça a été le point information jeunesse qui a ouvert ses portes, et ce pour réunir en un même lieu les services à destination de la jeunesse en matière de formation, d'emploi, de loisirs, de santé, etc. Enfin, au niveau de l'enfance, ce sont des accueils périscolaires du matin et du soir au centre de loisirs des petites vacances, du mercredi et de l'été en passant par la restauration scolaire. C'est le service enfance qui représente à lui seul un budget de 400 000 euros sans les salaires. Et enfin, c'est la ville de Marly qui n'oublie évidemment pas sa petite enfance avec de nombreuses structures publiques et privées, représentant ainsi des centaines d'enfants accueillis en collectif ou auprès des assistantes maternelles de la commune. Je veux remercier par la même occasion, avant de donner la parole à notre collègue Jules Caillard, tous les services concernés qui se déploient, initiatives et efforts, donnez-vous sans compter, de la ville de Marly, pour faire en sorte que nous puissions avancer sur ces politiques, là aussi, qui méritent d'être saluées. Monsieur Caillard, c'est avec plaisir que je vous cède maintenant la parole pour la présentation de votre délibération. À vous. Merci, monsieur le maire. Suite à la mise en place du portail parents, il convient de revoir le règlement intérieur des accueils périscolaires afin de fixer un cadre réglementaire aux parents ayant besoin de ces accueils. Ce règlement intérieur a pour objectif de fixer les modalités de fonctionnement. Celui-ci sera signé par les parents lors de l'inscription. Le règlement est envoyé à la fois à la DDCS, à la PMI et à la CAF. Alors, le règlement reprend l'organisation, le fonctionnement, les objectifs éducatifs, la tarification, sachant que désormais, avec le portail, les parents vont devoir s'inscrire effectivement sur ce portail. Donc voilà. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le dit règlement intérieur. Monsieur Caillard, y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Oui, madame Assia Osandzo, à vous la parole. Merci, monsieur le maire. Je voudrais revenir, parce que c'est vrai que c'est un point important, le retour à la semaine de 4 jours pour les familles marlysiennes et pour les enfants marlysiens. On ne peut que se féliciter de voir que la commune a commencé une procédure de modernisation du service public en mettant en place ce portail parents. Ce qui nous inquiète, nous, dans l'opposition, c'est que tout ceci se met en place un peu tardivement, en fin d'année scolaire. Donc, je tiens à rappeler quand même qu'il n'y a eu qu'une réunion publique qui a été mise en place le 6 juillet, très tardivement, pour informer les familles de l'installation de ce nouveau dispositif qui n'est pas si simple, notamment pour les familles qui travaillent. Lors de la réunion publique, contrairement à ce qui a été dit sur la page de la ville, cela n'a pas fait l'unanimité. On est d'accord sur la semaine de 4 jours, ça a bien fait l'unanimité. Par contre, la mise en place de ce dispositif n'a pas fait l'unanimité, notamment auprès des familles qui travaillent. C'est un service public dont la modernisation a pour but de rendre flexible l'accès aux services de réservation. Ce que les parents regrettent, c'est que ça reste quand même assez rigide sur le plan de son application, du fait qu'en effet, des parents qui travaillent ou qui ont un emploi dont l'emploi du temps est lui-même pas flexible, c'est un peu difficile de réserver. Donc, dans le texte, il est prévu une réservation à 10 jours. D'accord, 10 jours près, cela suppose que les parents doivent connaître leur emploi du temps sur 15 jours. Et on sait très bien pour les personnes, les familles issues du milieu hospitalier ou qui travaillent de nuit, qui sont postées, c'est parfois un peu difficile d'avoir avoir de la visibilité sur 15 jours.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la mise en place. La manière dont ça s'est mis en place, encore une fois, comme on l'a déjà vu dans la commune de Marly, pour les questions éducatives, on a l'impression vraiment que c'est envoyé, c'est pesé, emballé, avant même qu'on ait pu en discuter. On regrette d'ailleurs que l'on n'ait pas pu se joindre à la discussion et à la réflexion pour la rédaction du règlement intérieur, qui, sur certains chapitres, notamment du point de vue de la tarification, n'est pas encore suffisamment clair pour les familles. On aurait voulu apporter notre pierre à l'édifice. Hélas, on n'a pas eu, encore une fois, la possibilité d'apporter notre contribution constructive. Si j'interviens aujourd'hui, c'est simplement que je m'inquiète, surtout pour les familles, pour les parents qui travaillent. On a vu, hein, en fin de réunion publique le 6 juillet, des parents inquiets rester un peu sur leur faim à l'issue de la réunion publique. Donc, que comptez-vous faire pour rendre un peu plus flexible ce système de réservation de repas et comment allez-vous garantir le bon fonctionnement de la garderie le soir? Je vais céder la parole à Monsieur Mamolo. On s'est mis d'accord, on travaille collectif, et comme beaucoup d'entre nous ont apporté leur pierre, dans le cadre d'un véritable débat, je m'inscris en faux sur vos affirmations qui ont eu lieu, parce que ce n'est pas une réunion. D'abord, on a invité toutes les familles à venir à une réunion, il y en avait une cinquantaine. Deuxièmement, au total, ce sont 5 réunions qui ont eu lieu, avec ici même, dans le cadre des inscriptions pour les ALSH, où il y a eu un véritable débat franc et ouvert, à cœur ouvert, sur ces questions, non pas avec un projet achevé, abouti, mais en vue d'être à l'écoute des familles, à l'écoute de toutes celles et ceux qui sont concernés. Et c'est ce qui m'amène à donner maintenant la parole à M. Mamolo, qui va aussi vous faire part, dans le cadre de ce déroulé, de ce sentiment au nom de la municipalité. À vous, M. Mamolo. Oui, juste deux points. Concernant la flexibilité, nous étions au départ sur un mois. D'accord ? Après, au cours de cette réunion, on a bien entendu les doléances des parents. D'accord ? Donc, aujourd'hui, nous sommes à 10 jours. Lorsque vous parlez de flexibilité, vous parlez aussi de flexibilité concernant la restauration scolaire. Donc, si chacun vient régulièrement du jour au lendemain à dire « je viens, je ne viens pas », eux aussi, ils ont des contraintes. Donc, et pour s'être renseigné à droite à gauche, et particulièrement, je connais le cas de mes petits-enfants, c'est à 10 jours. C'est dans la région parisienne, c'est à Triel-sur-Seine, c'est à 10 jours. Vous êtes inscrit, vous les inscrivez, ils mangent à la cantine, ils ne sont pas inscrits, ben, ils ne mangent pas. D'accord ? Donc, et le problème, il est que à 10 jours... Lorsqu'on me dit que les emplois du temps des entreprises, ça fait quand même une semaine sur l'autre, quoi. Hein. On peut du vendredi, une semaine sur l'autre. Donc, je ne vois pas quelle entreprise qui, aujourd'hui, travaille, peut, dans le cadre de son personnel, gérer son personnel à une semaine près. Le calendrier du personnel, le planning, c'est assez surprenant. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que les cas particuliers, pas que ça devienne une généralité. Et les cas particuliers, je vous rassure, on en prendra compte. Parce que ce sont des cas particuliers. Alors, rassurez-vous, il n'y aura aucun enfant qui ne mangera pas à la cantine s'il n'est pas inscrit. Mais il faudra régler ce problème avec les parents. Il y a un service aujourd'hui, la petite enfance, qui fonctionne très bien. Donc, ce sera à lui à faire en sorte de régler ces problèmes-là. Voilà ce que je pouvais vous dire, Madame Costanzo. Permettez, pour que l'Assemblée se rende bien compte de la situation, parce que c'est un peu simple, hein, quand on expose le problème, apparemment 10 jours c'est flexible, c'est organisable. Il faut savoir que les familles vont passer d'un système journalier à une réservation journalière à un système sur 10 jours. Donc je mets simplement un petit peu le doigt sur quelque chose qui va poser problème certainement pour des familles qui avaient l'habitude et qui n'ont pas été informées, qui sont en vacances, qui ne sont pas informées à la rentrée. Bon, voilà, je mets en place simplement le fait que peut-être qu'on aurait pu mettre en place ce dispositif de manière progressive. C'est ce que je mets en avant dans mon intervention. Madame Costanzo, vous ne pouvez pas dire que les familles n'ont pas été informées. Il y a eu ici des réunions. À chaque fois qu'il y avait un départ
en vacances, en départ, où les familles ont été invitées et le portail a été vulgarisé à pratiquement toutes les familles de Marly. Ils ont reçu, dans tous les élèves des écoles de Marly, ont reçu l'information du portail. Donc, s'il y a un problème, on les invite. Quelques familles ont un problème avec ce portail, nous les invitons à venir ici à la mairie. Le service, il est disponible, il est là. Hein, croyez-moi, on fera le nécessaire pour les informer et pour les mettre en accord avec ce portail, quoi. Mais sachez que, c'est vrai, à chaque fois qu'on change quelque chose, hein, là on passe d'une inscription journalière, on vient à une inscription d'une semaine, en gros. En gros, c'est une semaine. Donc, moi, je ne vois pas où ça peut poser problème, Madame Costanzo. Je ne vois pas vraiment où ça peut poser un problème. À une semaine. Vous les vendredis pour le lundi, la semaine d'après. Je ne vois pas où il y a le problème. Monsieur Didier Caillé. Et ensuite, monsieur le maire. Oui, je voudrais compléter un peu les propos de Madame Costanzo. Vous avez proposé il y a quelques minutes de faire cette modification progressivement. Alors, il faudrait quand même nous expliquer, puisque vous avez l'air de bien connaître la chose, il faudrait quand même nous expliquer comment certaines familles vont réserver à la journée et d'autres familles vont réserver à 10 jours. Ou on le met en route, ou on ne le met pas. Donc, nous, la décision a été prise de le mettre en route. Et on a en même temps, si vous voulez, une autre contrainte, c'est qu'avec le nouveau marché de la restauration scolaire, on a favorisé pour les enfants mangeant à la cantine de Marly de la liaison courte au niveau des livraisons. Cette liaison courte, vous ne pouvez pas aller voir un producteur du secteur de Marly ou des environs et lui demander 600 ou 700 parts de produits en liaison courte. Ce n'est pas possible. Il faut lui laisser quand même un délai de préparation. Et au départ, c'est vrai que nous étions partis sur un mois. Suite aux discussions et suite à ce qu'on avait pu échanger lors de la réunion avec vous, on est descendu à 10 jours, c'est ce qui se fait un peu partout. Mais il faut aussi que les Marlysiens s'y mettent. C'est vrai qu'on va changer leurs habitudes. Mais je pense que quand même, pour d'autres points, ces habitudes-là, ils les prennent très vite. Et je pense qu'ils les prendront très vite également pour la restauration scolaire. On est en 2017, Madame Costanzo. On n'est plus à l'âge de pierre. Donc, il faut évoluer. Il y a des outils de travail maintenant pour pouvoir évoluer. Il y a des ingénieurs informaticiens qui ont fait des études, comme vous peut-être, et qui se sont penchés sur le problème. Alors, vivons avec notre temps, et il faut quand même maintenant aller de l'avant un petit peu, arrêter les stops et les marches arrière. Au cadre de ce débat, apporter quelques éléments quand même. Un, tout d'abord, moi je me félicite du travail qui a été déployé par tous les élus, dans le cadre de l'échange, de la concertation, dans le cadre d'une volonté qui était, je le répète, non pas d'aller avec un projet achevé, abouti, mais d'aller à l'écoute des familles. Il y a eu 5 réunions au total. Ici même, à travers tous les enfants et les familles qui ont été reçus pour l'inscription dans le cadre des ALSH. Deuxièmement, toutes les familles ont été invitées pour venir à une réunion publique. Quatrièmement, nous avons échangé, y compris à travers nos structures centres ARS. Et enfin, pour que les choses soient claires, actuellement, et pour être très transparent, plutôt que se limiter à des affirmations gratuites, il n'y a actuellement que 10 cas qui ont été repérés, notamment en ce qui concerne des familles qui travaillent, par exemple, je pense au McDo. Deuxièmement, eh bien, ces cas-là seront vus par le CCAS, seront vus par les services, seront vus par, notamment, eh bien, ils seront vus au cas par cas, comme on dit, et toutes les familles ont été, je le répète, vu dans le sens où il y a eu aussi de la communication à travers un flyer, à travers une affichette et à travers le site de la ville qui d'ailleurs cartonne du point de vue des visites depuis début juillet et où là aussi on peut que saluer, ben, je pense, tout le travail qui a été déployé. Alors on pourra toujours dire ça va pas, il aurait fallu ceci. Il y a une chose qui est certaine, on a été à l'initiative et les familles sont très heureuses, comme l'a rappelé Alain Mamoulot, comme l'a rappelé tout à l'heure Jules Caillard et maintenant Didier Caillé, très heureuse de l'avancée de ce dossier et du fait que nous avons pris en compte leur volonté. Voilà. Alors, je ne reviens pas après sur tous les aspects techniques, des contraintes, il y en a. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et là, je pense que, y compris dans le cas du retour aux 4 jours, je rappelle, la consultation
et la concertation qui a eu lieu, où 85% des familles se sont prononcées favorablement. Là, on n'était pas obligé non plus de se concerter, de consulter, mais on a été à l'initiative. On n'était pas obligé de faire toutes ces réunions, mais nous sommes allés, ce qui n'est pas le cas dans bien des collectivités. Alors, je vous invite à vous retourner auprès des fois de certaines collectivités amies vous concernant, et vous verrez que parfois, il y a eu des projets qui ont été achevés et mis avec mise pour les familles devant le fait. Et ça, ça n'a pas été notre conception du véritable débat, et je m'en félicite. Sur ce, je propose que sur cette délibération, on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, l'opposition s'abstient donc sur cette politique nouvelle suite à cette concertation et à la prise en compte de l'avis des familles, notamment anciennes. Et nous passons dans la foulée avec notamment M. Alain Momolo qui va nous présenter le projet d'accueil de loisirs des mercredis. Là aussi, une volonté, répondre à l'attente des familles et avec des éléments importants qui vont vous être présentés. À vous, M. Momolo. Merci, M. le maire. Afin de concilier vie professionnelle et vie familiale des Marlysiens et pour faire suite au retour des 4 jours dans les écoles, un accueil de loisirs les mercredis sera créé dès la rentrée de septembre afin de répondre aux besoins des familles et d'offrir de l'opportunité aux enfants de passer des moments de loisirs adaptés à chacun. Les accueils collectifs des mineurs installés dans la commune de Marly sont des structures gérées par la municipalité. Ces structures sont habilitées par les services départementaux du ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que de la protection maternelle infantile pour les enfants âgés de 2 à 6 ans qui sont scolarisés. Les enfants dont les parents travaillent seront prioritaires. Cet accueil du mercredi se situera rue Camelina pour les maternelles implantées dans le quartier de la Briquette, Perdriol, et rue des Violettes pour les primaires, celles du Caillou, dans le quartier des Floralies. Comme précité, l'ACM est scindée en 2 structures distinctes. Pour les maternelles de Perdriol, la capacité d'accueil peut aller jusqu'à 48 enfants âgés de 2 à 5 ans. Au regard des effectifs de 2013, la proposition est de déclarer une capacité d'accueil de 40 enfants. Celle-ci pourra se réajuster jusqu'à 48 en fonction des inscriptions. Pour les primaires, les orchidées, la capacité d'accueil peut aller jusqu'à 84 enfants de 6 à 11 ans. Au regard des effectifs sur l'année scolaire 2016-2017, la proposition est de déclarer la capacité d'accueil de 72 enfants. Celle-ci pourra se réajuster jusqu'à 84 enfants en fonction des inscriptions. Ces règlements seront envoyés à la fois à la DCCS, à la PMI et à la CAF. Afin de fixer un cadre réglementaire aux parents ayant besoin des centres de loisirs, il convient d'établir un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement qui sera signé par les parents à l'inscription. Celui-ci servira pour toutes les périodes d'ACM, mercredi aux petites vacances, et ou été. Ce règlement reprend l'organisation 4 formules. Le matin sans repas de 9h à 12h. Le matin avec repas de 9h à 13h30. La journée de 9h à 17h. Et l'après-midi de 13h30 à 17h30. Il est proposé un accueil péricentre avant et après l'accueil de loisirs de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. Une inscription préalable auprès du service enfance en mairie est nécessaire et nécessite des dépôts du dossier complet. Les inscriptions pour le mercredi se font sur une période allant de vacances à vacances, soit de septembre à octobre, de novembre à décembre et de janvier à février, de mars à avril et de mai à juin. Celles-ci sont réalisées en même temps que les inscriptions des petites vacances, à l'exception de la première période de septembre et octobre, qui est mise en place la dernière semaine du mois d'août. Le fonctionnement. L'effectif est en rapport avec le nombre d'enfants accueillis et des modalités de fonctionnement de l'établissement, en veillant au respect de la règle suivante, soit un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans. Les objectifs éducatifs, afin de répondre aux besoins et aux attentes de tous, la municipalité a pour objectif de proposer un accueil des activités de qualité où le respect de chacun, selon son histoire, son âge, son rythme, ont été pris en compte. La tarification, les tarifs fixés par décision municipale en date du 6 juin 2011.
et du 4 juillet 2012 suite à une délibération du 1er avril 2008, sont calculés soit par le biais du quotient familial de la CAF, soit par le biais de la dernière feuille d'imposition pour les familles non locataires. À ceci, il faut rajouter que nous allons remettre en place les écoles municipales de sport qui fonctionneront sur la même méthode que les ACM, ça veut dire par septembre-octobre, par tranche de vacances scolaires. Voilà. Je pense que la municipalité a été très réactive et a apporté d'énormes facilités à l'ensemble de la population de Marly pour le bien de nos enfants. Bon, monsieur Mamelot, de rappeler qu'une fois de plus, nous avons été très réactifs. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Alors, je propose que l'on passe aux voix. Monsieur Mamelot, un complément? Oui, monsieur le maire. Je voudrais juste remercier l'ensemble des services qui ont travaillé pour mettre en place ce dossier et qui fonctionne dès le mois de septembre. Voilà. Merci à eux. Effectivement, et puis... Ah! Mais avec plaisir, madame, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Je voulais juste poser une question. On avait évoqué lors de la réunion sur les fameux tarifs, où on a eu de grandes discussions concernant les augmentations que vous n'avez pas appliquées. On s'en félicite, on a contribué à ça aussi. Et concernant la priorité qui a été donnée aux parents qui travaillent, c'est une priorité, c'est pas une exclusivité. Non. Rassurez-moi, parce que ces enfants-là aussi, même si leurs parents ne travaillent pas, ont le droit à des activités, je pense. C'est important aussi pour leur développement. Vous avez tout à fait raison, c'est pas une exclusivité, c'est juste qu'on prendra en compte s'il y a des parents qui travaillent, donc c'est tout à fait normal qu'on puisse faire en sorte que. Hein, voilà. Effectivement, on peut remercier tous les services qui ont collaboré étroitement sur ce dossier. Puis je veux remercier le rôle important qui a été joué par Cathy Dupire, qui est parmi nous, qui est chef de pôle en ce qui concerne notamment ces questions avec toutes celles et ceux qui l'entourent. Voilà, sur ce, on passe au vote. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Abstention, et nous passons avec une dernière délibération, une subvention exceptionnelle au futsal. À vous, monsieur Mamelot. Floralie Futsal Hainaut, afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 500 € pour l'achat d'équipements sportifs pour leur équipe qui évolue en championnat de district. Alors, je voudrais juste rappeler que nous avons déjà donné 1 000 € cette année-ci et que nous leur donnons une subvention exceptionnelle pour leur permettre de fonctionner. À cet effet, M. Verfeuilly, j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Adeline. Il m'a fait part que le conseil départemental lui fera une subvention de 800 € au mois de novembre. Dites-nous tout. M. Mamelot, il pose les questions, il apporte les réponses pour l'Assemblée départementale. Il a raison, à vous. Tout à fait exact. Le département va leur attribuer une subvention sur mon enveloppe personnelle. Je ne sais plus pour eux exactement ce que c'est. Il me semble que c'est un truc pour des maillots. Mais je ne suis pas sûr. Nous serons obligés de les habiller tous les ans, hein. Et il ne reste plus qu'à passer aux voix cette subvention. Hein. Elle est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, bonne soirée, bon retour, bonnes vacances et rendez-vous pour la braderie. Sans oublier de venir signer le registre des délibérations. Allez, on fait la queue.